Bonjour. Bonjour. Pourrais-je savoir dans quelle commune vous habitez ? On habite où ? On ne sait plus. On habite où ? On habite à Chézard-Saint-Martin. Avez-vous des souvenirs liés à la magie de la nuit ? Oui, beaucoup. T'as des souvenirs ? Ouais. Lesquels ? Tu veux raconter ? Ben, des voleurs. D'accord. Moi, c'est des étoiles filantes dans la nuit. Ouais. Moi, c'est les nuits dans la nature. Ouais. Seriez-vous d'accord que votre commune éteigne son éclairage public au cœur de la nuit, vers minuit jusqu'à 5 heures à peu près ? Tout à fait. Oui. Sans problème. Bon, alors merci d'avoir répondu. Merci à toi d'avoir posé des bonnes questions. Alors bonjour. Bonjour. Pourrais-je savoir dans quelle commune vous habitez ? J'habite à Courtelary. Et seriez-vous prêt à accepter que l'on coupe l'éclairage public dans votre commune ? Sans problème pour moi, parce que je pense qu'on devrait plus éclairer plutôt les trottoirs que les routes. Et avez-vous déjà vu la Voie lactée ? Oui, bien sûr. Avez-vous des souvenirs liés à la magie de la nuit ? La magie de la nuit, oui, bien sûr. J'aime bien me promener en pleine nuit, où on voit les étoiles, où on entend plein de choses, où on distingue les silhouettes des arbres derrière un ciel, soit plus clair, soit autrement, avec des nuages, tout à fait. Oui. Alors, merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir posé les questions. Bonjour. Bonjour. Pourrais-je savoir dans quelle commune vous habitez ? J'habite pas dans le canton de Neuchâtel, j'habite à Genève, dans la commune de Confignon. D'accord. Seriez-vous prêt à accepter que l'on coupe l'éclairage public dans votre commune ? Après avoir lu les informations que j'ai vues ici, pourquoi pas ? On pourrait essayer, oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'éclairage public ? Ben, je pense que c'est utile, parce que ça peut nous aider, mais il y en a peut-être un peu trop à certains endroits. Et ça peut être gênant. Je me souviens de mes enfants, quand ils étaient petits, ils se plaignaient toujours d'une lampe qui était dans la rue et qui se reflétait dans leur chambre, et ça les embêtait. Avez-vous des souvenirs liés à la magie de la nuit ? Oui, les étoiles, quand il n'y a pas de lumière du tout, et quand on est en plaine ou souvent en montagne, les étoiles principalement. Alors merci d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie.